Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nekmao33 pour aujourd'hui le troisième épisode de notre Let's Play de World's End Club. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous avions gagné le jeu d'élimination, le jeu de la mort. Mais du coup, on a libéré nos amis qui étaient apparemment prisonniers du H-Bot en utilisant la boule magique, la boule de lavage dans l'abdomen du dit robot. Et donc tous nos amis étaient vivants. Malheureusement, pendant ce temps là le parc sous-marin aquatique, dû sûrement à la pression ou un truc comme ça, les vitres ont commencé à céder. Et donc notre héros Raicho a trouvé un moyen de faire remonter tout le monde à la surface en utilisant un scaphandre qui de base est tombé sur paille et qui lui a fait perdre connaissance. Il a jeté contre un sous-marin qui avait l'air d'être là. Et grâce à ça, ils ont pu s'échapper. Bref, il se réveille, découvre des bâtiments en forme de X un petit peu partout. Que Tokyo a été détruite à cause du météore. Et qui se retrouve dans une ville à 1200 bornes de Tokyo. Et donc décide d'enquêter sur ce qu'il s'y passe. Bref, nous sommes du coup 11 survivants. Et donc on décide d'explorer la ville en se séparant en 3 groupes, en jouant à pierre, papier, ciseaux. Et voilà notre groupe. On se retrouve donc avec Mochan, Pochi et Vanilla. Et maintenant à voir ce qui nous attend. Qui c'est qui dit attendez-moi? Ah bah ça doit être Mochan, ok. Donc du coup on s'est arrêté au moment où on a vu une espèce... on a vu des hautes herbes bouger et du coup on s'est demandé mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des déchets partout. Ah, Pachinko. Voilà, c'est exactement ça que ce que je vous disais. Pourquoi t'as fait ça, Raicho? Ah bah, c'est une bonne question à se demander maintenant, quoi. Pouvoir éveillé de Raicho. Ace inarrêtable, lanceur de première division. Appuyez sur le bouton compétence partenaire lorsque vous portez un rocher ou un coffre. Visez en inclinant le stick gauche dans la direction souhaitée. Lancez un objet avec une force extraordinaire. Ok. La page de Raicho a été mise à jour. Allez dans collection, club des battants, dans le menu pause pour la consulter. Ok, parce que maintenant notre menu est exceptionnel. Et du coup si on regarde l'histoire de la carte, voilà. Position. Ah, on peut... Ouais, je veux zoomer. Voilà, donc on est là. Je me souviens plus du nom de la ville. Et Tokyo. Merde. Ah, Tokyo. Bah c'est le point rouge là qu'on voit. On a vraiment hâte. Alors c'est marrant parce qu'il y a des images en HD et d'autres en SD. Comme ce magnifique Mont Fuji. Bref. Ok. Ah oui, fais voir du coup, attends, cette histoire de... C'est dans quoi, collection? Ah oui, club des battants, ok. Voilà, Raicho, respecté de tous dans le club des battants, il n'abandonne jamais et aide toujours ses amis à résoudre leurs problèmes. Compétence partenaire, lanceur de première division, projette n'importe quel objet avec force et peut frapper les ennemis ou faire tomber les objets situés en hauteur. Ok. Les autres, on sait pas. Oh, voilà, on a juste les autres persos. Ça me vrille bien les tympans, mais c'est pas grave. Ok, et le livre d'autocollant, comment ça se présente? Ok. 2 sur 30. Ok. Alors, voyons voir. Ramasser. Lanceur de première division. Ok, donc je vise quoi? Je vais viser le pas. Raicho. Ah ouais, ça veut plus dire la même chose du coup. Mais attends, du coup, il faudrait que je me recale à gauche. Je vais me recaler à gauche. Ok, nous y sommes. Ça va être un peu mieux déjà. Vous verrez les dialogues à droite. Mais je voulais pas me mettre là au départ parce qu'il y avait le chrono du jeu. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça brille. Attendez, vous voulez que je pulvérise tout? Genre le col là? Déjà, j'arrive pas à viser. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Ah non, ok. Peut-être poser un caillou. Ah oui, quand il dit jeter. Non. Non, ok. Bah je sais pas. Je ne sais pas quel est ce point lumineux. Qu'est-ce que c'est? Ok, alors il y a peut-être un truc à faire avec caillou plus le poteau. Ah! Ok. Ok. Note à moi-même de ne pas rester en dessous. Oui, Mochan? Ça va? Énorme. Je m'y attendais pas. Ok. Alors, je fais attention cette fois. Ok. Oui, c'est bon. Parfait. Waouh, t'es devenu super balèze, Raichu. Tu lances super fort, je veux dire. Comme quand t'as lancé le casque dans le parc. Personne n'aurait pu lancer un bout de ferraille si lourd aussi loin. Comment t'as fait ça? Aucune idée. On dirait bien que Raichu ne peut pas l'expliquer lui-même. Je vois. Le genre de choses que l'on fait sans réfléchir. Vous pensez que tous les trucs étranges qui sont arrivés sont liés? Ah, encore les arbres qui bougent. Oh, encore ce bruissement, ça vient de là-bas. Allons voir. Non, non, qu'est-ce qu'elle dirait? Super. Il y a un coffre au-dessus de sa tête. J'ai vu. Restez pas là. Attends. Ouais, restez pas là. Boum. Quel coffre étrange. Ok. Quel est l'intérêt de le lancer? Attendez. Ah non, on peut pas revenir en arrière. Je peux pas sauter avec. Ok. Je voudrais voir si de l'autre côté. Je sais pas, mettons-le de l'autre côté. Dans le doute. À quoi va nous servir cette boîte? Bon. Autant la garder jusqu'au bout. On sait jamais. Ça passe. On avait des cailloux aussi. Ah mais oui non. Oh je suis con. Bah c'est mort. Mais oui ça devait faire estrade. Ah non mais si je veux recommencer je vais arriver où? Point de sauvegarde. Vas-y fais voir. Ok. Il nous faut un caillou. Ah oui, mais attendez, comment on a fait tout à l'heure? Enfin, et ce truc là, je sais pas pourquoi.
Ouais, on avait balancé un caillou. De toute façon, je peux pas. Je peux sauter avec. Ah, je peux quand même accrocher. Ah, oh, je peux. On peut tout faire avec un rocher dans la main. Voilà. Non, pourquoi c'est pas là? Ok. Allez, go. Voilà. Il y avait un caillou là. Non. Ah, ne reviens pas, ne reviens jamais. Oh non, je suis quoi? Non, c'est bon, tout va bien. Je le pousse au pire, voilà. Ok, on est bon. Petit coup d'énigme. Je sais pas pourquoi on peut ramasser les rochers partout. Oula. Très bien. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ce truc qu'on utilise pour déboucher les toilettes. Une ventouse. Non, ça m'a tout l'air d'être une simple feuille. Mais les fleurs n'ont pas d'yeux. Les ventouses non plus. Fais quelque chose, Raicho. Ah non, mais j'ai plus mon caillou. Tiens, dans ta gueule. Il a rétréci. Bien joué, Raicho. Bon, la visée est à peu près automatique, hein. Oula. Ah! Ne tombez pas, hein. Ce serait fort dommage, hein. Quel connard. Pourquoi on aurait... Je sais pas pourquoi. Ah, ok. Tout simplement. Ok. Ah, une cabine téléphonique. Regardez là-bas, une cabine téléphonique. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? On est vraiment con. Oui, on pourrait appeler la police par exemple. Ça marche pas. Aucune tonalité, évidemment. Ça aurait été trop simple. Ouais, on dirait bien qu'il n'y a plus de courant dans cette ville. On peut pas regarder les infos à la TV non plus, alors. Il s'est passé quoi ici, au juste? Il y a même des plantes géantes. La pollution aurait fait muter leur ADN ou un truc du genre? Alors on dit ADN déjà, Nia. On dit ADN, pas ABN. Hein? Pas grave, il faut trouver des survivants, c'est la seule solution. Ok. Ah, ça commence à m'énerver tout ça. Allez, montrez-vous, je sais que vous êtes là. Merde, désolé. Ok. Toujours le ramasser. Ah, va falloir pousser. Comment ça lance ça? Hein? Mais je lance ça où? Qu'est-ce qui me fait viser? Allez, voilà. Non mais abandonne, abandonne. De toute façon, il peut pas avancer. Voilà. Donc au pire, tu fais blam. Non. Is ok. Non mais lâche. Décidément. Ok. Oh, des fruits. Il s'est encore échappé. Sérieux, c'est quoi ce bruit? Il n'y a pas un chat dans les environs, c'est quand même bizarre. À part ce bruissement, tu veux dire? Hé, hey, regardez! Des mangues! Hein?
Les préfectures de Miyazaki et Okinawa sont célèbres pour leur mangue, mais Kagoshima en produit aussi. La mangue fait partie de la famille des Anacardiacées, comme les noix de cajou. Oh, c'est trop bon les noix de cajou. Vous aimez ça vous? C'est pourquoi les personnes allergiques aux noix de cajou sont également allergiques aux mangues. J'ai même entendu parler de gens qui s'évanouissaient après en avoir mangé. C'est passionnant. Mais sérieux, Mo-chan, tu penses à autre chose qu'à manger? Apparemment non. Quoi qu'il en soit, allons découvrir la cause de ce bruissement. On ne doit plus être loin. Ouais, et le mystère s'éclaircira. Bon, tu viens, Mo-chan? Apparemment non. Elles sont bonnes ou pas? Alors? Allez, on y va, Mo-chan. Mais attendez-moi! Justement. C'est quoi cette odeur? C'est pas de la mangue, mais ça sent bon quand même. Cette odeur. Mais c'est... Hey, qu'est-ce que tu fiches? On va partir sans toi. Tu veux pas nous en dire plus? Ok. Je veux rien nous dire. Très bien. Salut mon pote. Ok, apparemment t'es pas décidé. Entendu. Attends. Tac. Ok. Zbra. Il est toujours là hein, notre bouffeur de manga. Ouais ouais, ok. Je préfère m'en assurer. Peut-on jamais. Ok. Bam. Très bien. Tiens, le bruissement s'est arrêté. Et la ville est toujours désespérément déserte. C'est complètement fou. Hallucinant même. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne? Tu viens juste de t'en rendre compte? Il y a des plantes géantes en forme de ventouses partout. Quelque chose d'horrible a dû arriver. Ouais, c'est ce que Jinu pense aussi. Ce sera à cause du météore qu'on a vu dans le bus? Possible. Oui, c'est ce que je me disais. Ce truc étrange tombait du ciel. Oh, vous l'avez vu aussi? Je croyais que j'avais rêvé. Oui, je suis sûr de l'avoir vu aussi. Et toi, Mo-chan, tu l'as vu? Ce truc en forme de X. Hein? Mais oui, Mo-chan. Mais tu l'as laissé à tes mangues. Il a disparu. Mo-chan a disparu. Il s'est probablement juste égaré. Oui, t'as raison. Partons à sa recherche. Il va bientôt faire nuit. Il faut le retrouver en vitesse. Bah, normalement, s'il a pas bougé. Bon, bah, si. Regardez là-bas. Il a dû prendre le mauvais chemin. Allons voir. Non, mais il est con à ce point. Possible. Oula. Alors, y'a quoi par là? Encore un truc qui brille. Ok, donc une carte. Mais tout à l'heure, ça devait être une carte aussi, mais on a peut-être pas eu la condition qu'il fallait.
Electro Ranger Vert obtenu. Une rare. Rajoutée au livre d'autocollant. Ah. Ok. Très bien. La suite. Oula. Waouh. Quoi encore? Ah, vous voyez le X en haut à droite? Voilà, si vous cliquez dessus, ça ferme la fenêtre. Des coquilles Saint-Jacques? Les coquilles Saint-Jacques n'ont pas de dents. Ça, et elles vivent dans la mer en général. Reicho, tu t'en occupes? Elle veut peut-être bouffer de la mangue. Ok. Attends, on va attendre qu'elle ouvre la gueule peut-être. Oh, regardez, la coquille Saint-Jacques a mangé la mangue. Ah oui, il en faut 3. Ok. Bah voilà. Yes, elle s'est endormie. Elle est allergique, vous croyez? Normal. Ok. Moult voiture. On est dans une décharge ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce Delbord? Ah, le retour. Ok. Vous pensez que la grosse là, ça compte pour 2? Ah non, ça compte pour 3. Oh là là, speedrun strat. Oh, c'est parfait ça. Non! Ok, vous noyez pas, hein. Je pensais que c'était des sables mouvants, mais bon. Ok, qu'est-ce que c'est que ce délire? Étrange. Où est-il allé? Il n'y a qu'une seule route. Ah! Je crois que j'ai entendu l'estomac de Mo-chan gargouiller. Oh, Mo-chan, qu'est-ce que tu fais là? À mon avis, je pense que c'est autre chose. Je ne savais pas que Mo-chan aimait l'art moderne. Non, il est plus pop art, je pense. Mais qu'est-ce que c'est que ce poisson bizarre? Bon, au moins, on sait que c'est pas un poisson. Ah, c'est un chien? Ce truc est un chien? Je crois que j'ai compris quelque chose. Quoi? Ça doit être lui qui faisait ce bruit tout à l'heure. Et on l'a énervé en lui courant après. Ah, oui. Désolé, monsieur le chien-chien. On t'a pris pour quelqu'un d'autre. Ah oui, parce que genre, tu penses que ça a marché. Viens le poursuivre, ouais. Je m'appelle peut-être Vanilla, mais je ne suis pas une glace. Pas comestible, promis. Ah, attends. Oh, super. Bah, superbe. Se poursuivre par un yinche. Attention, n'oublie pas de sauter. C'est moi, il a grossi. Ok. Tout va bien? Il va revenir, non? Ouais, ouais. C'est bien ce que je pensais. Ouais, mais plus ça va, plus ce truc est énorme. Est-ce qu'il veut pas manger? Ok, j'ai rien que je peux lancer dans les environs. Vas-y, est-ce qu'on ne tenterait pas? Je tente un truc. Je vais sans doute me faire bouffer le fion.
Le système de visée est horrible. Je n'ai rien compris. Je sais pas ce qu'il voulait viser, mais d'accord. Okay. Bon. On va abandonner cette idée à la con. Et on va continuer de courir. Même si le chien ne nous suit plus. Pour le moment. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas aller plus loin? Ah. Alors écoute, je suis très bien. Allez les gars, faites quelque chose. Surtout toi, Pochi. Avec ton nom de chien, tu devrais parler sa langue. Oh, la gratuité! Tu racontes vraiment n'importe quoi. Oh putain, mais il est là. Fais un truc. Oh non. À ce rythme-là, il va nous... Fuyons. Non. Je dois aller chercher de l'aide. Toujours une poule mouillée, ce que je vois. Le vrai héros est celui qui aide ses amis en dépit du danger. Oui, c'est pas ce que t'as dit, mais c'est pas grave. Je... Ah! Ça y va débloquer son pouvoir. Ok. Ok. Ah. Ok. Hein? C'était quoi ça? Tu vas bien? Pas blessé? Non, je vais bien, je pense. Mais... Il ne t'a pas mordu? Si. Et tu n'es... Pas blessé? Non. Pourquoi? Comment? Aucune idée. Vous ne me remerciez pas? Bien sûr que si, Mo-chan le Morlos. Tu es mon nouveau héros, Mo-chan. Parfait. Ah, le salut. Et sinon, qu'est-ce que tu faisais ici, Mo-chan? Eh bien... J'ai senti quelque chose et j'ai fait un petit détour exprès. Une pêche? Les pêches ne sont pas communes dans la région. J'ai de la chance d'en avoir trouvé une. Vous saviez que les pêches étaient parfois considérées comme des porte-bonheur? Le roi singe Son Goku, par exemple, déroba des pêches au paradis et les mangea pour vivre plus longtemps. Et au sanctuaire Seimei de Kyoto, il y a même un monument en forme de pêche. En résumé, la pêche est synonyme de chance et de longévité. Grâce à elle, on pourra sûrement retourner à Tokyo. Mo-chan. Pourquoi pas? Pensez-vous qu'une pêche puisse faire ça? C'est une bonne question. Mais qu'est-ce qui se passe?
C'était quoi cette plante monstrueuse? Et cet horrible chien? Donc, vous les avez vus aussi? Ouais. Ils ont peut-être muté après avoir été aspergés de produits chimiques. Pendant qu'on dormait? Tu crois que c'est possible de muter en si peu de temps? Et vous? Vous avez vu quelque chose? On n'a pas vu un seul train passer pour sûr. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'électricité dans la ville. Et les bus sont à l'abandon. Les téléphones ne fonctionnent pas et la radio non plus. Le poste de police et la caserne de pompiers sont vides. La radio de la police ne fonctionne pas non plus. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On n'a rien trouvé qui puisse nous aider à comprendre ce qui s'est passé. On est bien avancé. Non, on a trouvé un truc. Regardez. Tu vas lui montrer ta pêche? Une pêche? Ouais! J'en ai rempli mon sac à ras-bord. Il y en a pour tout le monde. Merci. Pêche. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je veux rentrer à la maison. Encore faudrait-il qu'on ait toujours une maison. Comment ça? Mais la météorite! Qu'est-ce qu'il te fait dire qu'il n'est rien arrivé à Tokyo? C'est pareil qu'ici, si ça se trouve. Désert. Oh non! Nous serions les seuls survivants? Le monde serait... Qui sait? Ça ne me surprendrait pas plus que ça. Avec cette histoire de météore... On va nous le ressasser sans cesse en fait. Le grand roi de la terreur est peut-être descendu sur Terre? Le grand roi de la terreur? Au cours du mois de juillet 1999 sera envoyé par le ciel un grand roi qui sèmera la peur. Il ressuscitera le grand chef d'Angolmois. Mais ce sont les prophéties de Nostradamus, oui. Mais on est en 1995, pas vrai? 1999, c'est dans 4 ans. Peut-être que le plan s'est accéléré? Quel plan? Je n'en sais rien. Le plan d'une organisation secrète ou un truc dans le genre? C'est ridicule. Peut-être. Mais tu as bien vu ce météore, non? Alors tout le monde à Tokyo serait... Hé! Arrête de dire ça! Tu fais peur à tout le monde. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé à Tokyo. Tokyo. J'espère que tout le monde est sain et sauf. Attendez, ne me dites pas que... On va y retourner pour en avoir le cœur net? Mais comment on va faire sans bus et sans train? C'est vrai quoi?
Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres moyens de locomotion? Je sais pas, on a des jambes par exemple. Vous voulez quand même pas y aller en marchant? Jusqu'à Tokyo? Soyez sérieux, c'est impossible. Tokyo est à 1200 km d'ici, pas vrai? Bah ouais, mais on n'a pas vraiment le choix. C'est mieux que de rester ici, c'est sûr. Kansai. C'est vrai qu'on n'a aucune garantie de trouver de l'aide en restant ici. Oh non, Tim est pas aussi Nioro. Bon d'accord, je viens avec vous. Et moi aussi. Je vais essayer de ne pas vous ralentir. Ah! Bon, si tout le monde y va, j'y vais. Et toi, Genu? Dans le doute, prends toujours le chemin le plus ardu. C'est une réplique de la célèbre troupe de théâtre Katarazuka. Attendez, vous êtes devenus fous ou quoi? J'y arriverai jamais. Impossible. Comment vous comptez marcher 1200 km? On passe par Osaka sur le chemin. Tu vas pouvoir manger plein de bons trucs. Je suis des vôtres. Où est-ce qu'on signe? Ah oui, il suffit de lui parler de nourriture et puis c'est gagné. Oh, moi aussi je vais aller à Osaka. Pardon, Osaka. Excusez-moi. J'ai un truc important à y faire. Ah bon? De quel type? Ah, Moi, je pars par là. Que nous allions dans la même direction est juste une coïncidence. Mais bien sûr. Tu pourrais simplement dire que tu viens avec nous. Bon, c'est décidé alors. Parfait. Direction Tokyo, tous ensemble. Club des battants. Hip hip hip. Ok. C'est parti pour une folle odyssée de 1200 km. On va s'éclater. Un plaisir. Eh ben, ça valait le coup de mettre le générique maintenant. Ok. On est à combien de temps là? 42 minutes. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
On va revenir sur l'écran d'accueil. Voilà. Merci à tous, du coup. L'option galerie est désormais disponible dans le menu général. On va. Vite fait. Et après, on arrête. Vidéo, illustration. Ok. Ok. Et les vidéos, bon, je présume que c'est. Ok. Bon, mais très bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce troisième épisode de notre Let's Play sur Worlds and Club. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir. Merci à tous. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. Je vous fais de gros bisous. Ciao!